Bonjour, donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au Malus coccinella. Donc Malus, pommier, celui-ci c'est un pommier à fleurs, vous voyez normalement tous les pommiers fleurissent blancs. Pour une fois je vais remercier peut-être la science parce que c'est grâce à la science qu'on a ces variétés là. On est parti sur des variétés de base hein, et puis on les a un petit peu trafiquées. Et donc on a une floraison rose, on a un joli feuillage qui est légèrement pourpré, rouge pourpré au printemps. Le petit top en plus, c'est qu'on a des petits fruits de la taille des cerises qui vont apparaître, on va dire, pour l'été, l'automne, et ça peut durer l'hiver s'ils ne sont pas mangés par les oiseaux. Alors, pourquoi aussi je remercie la science? Deuxièmement, c'est que ces variétés, en fait, c'est des variétés améliorées de nos variétés traditionnelles. Donc, celle-ci, ça reste un pommier à fruits, à fleurs. Donc, il va nous faire ses petits fruits, mais il va servir comme pollinisateur pour des variétés à fruits aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça peut être un arbuste d'ornement, mais il peut vous servir pour votre verger en même temps. Et le top aussi, bah, c'est qu'il a été trafiqué génétiquement, donc modifié plutôt, parce que pour moi, ça a du bon dans ce sens-là. Il va résister à la tavelure et au feu bactérien. Donc, quelque part, ça évite de traiter inutilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Donc vous voyez, hein, c'est un arbrisseau. Il est sur tige. À tout casser, il va faire 5-6 mètres de diamètre. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.